Bonjour. Alors, vous me voyez aujourd'hui avec un nouveau chapeau. Alors, c'est un cadeau, mais j'ai l'impression qu'il est un peu grand. Mais peut-être qu'il faut le porter d'une certaine manière. Je sais pas si c'est une réussite ce chapeau. Peut-être comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est le premier test. Vous me direz ce que vous en pensez. De toute façon, il est un peu grand, donc s'il y a du vent, je pense qu'il va pas tenir longtemps sur ma tête. Et là, on va retrouver Canel, parce que ma voisine s'absente à nouveau. Et on va donc, comme toujours, comme à son habitude, passer pour lui donner à manger. On va voir si... elle est là, si elle reconnaît ma voix. Alors, Canel, est-ce que Canel est là? Souvent elle se cache là dans le hangar. J'espère que mon ami la gamelle, oui la gamelle est là. Alors, Canel, oh, j'ai pris un verre là. Alors, on va le donner. Canel, bah oui, mais oui, viens là. Eh oui. Ah, t'es là. Ah oui, ben c'est l'heure de manger. Hein? Allez, hop, dans les poubelles prime vert, là. Eh oui. À la fin. Régale. Voilà, petite. Bon, puis nous on va continuer notre chemin. Hein? C'est parti. C'est parti mon kiki. Pas trop satisfait. Pas sûr que ce chapeau il soit vraiment et un peu grand. Hein. Pas très. Ça le fait pas trop. Bon, on va faire avec. Oui. Alors. Vous inquiétez pas, j'ai eu quelques... Je parlais de Canel parce que je lui donnais à manger et puis j'ai vu des personnes qui font des réflexions presque désagréables par rapport à ce chat parce que ouais, c'est une honte que la maîtresse... Il faut savoir que c'est un chat... à la campagne, on a des chats sauvages qui viennent chez vous. Qui s'incruste chez vous, ça a été l'histoire de mon chat. Et donc là, c'est l'histoire d'un chat, et j'avais un chat comme ça. Il y a plein de chats sauvages qui élisent domicile chez quelqu'un, mais ils sont très autonomes, ils ont la capacité de se débrouiller tout seuls, puisqu'ils ont vécu, sans. C'est pas des chats domestiqués, style chat de. Qui a été élevé tout petit et qui est abandonné. Donc, à la campagne, il est courant d'avoir des chats comme ça qui finissent par vous adopter, ils viennent chez vous, tout ça, mais ils se débrouillent tout seuls, ils vont de maison en maison, etc. Enfin, donc, il y a des gens qui sont absolument paniqués parce que le chat, la maîtresse n'est pas là. C'est pas un chien, hein. Un chat, c'est... Il y a plein de chats sauvages. Et il y a des chats qui se débrouillent très très bien. Qui sont autonomes.
C'est pas de la maltraitance de s'éloigner de chez soi, de s'absenter de chez soi, parce que le chat qui a élu domicile chez vous, bah, vous n'êtes pas là pour vous en occuper, vous n'avez pas choisi. Quand il est là, quand vous êtes chez vous, bah, vous en occupez. Quand il n'est pas là, bah, ce n'est pas des chats domestiqués, style je l'ai eu tout petit et je l'élève et il est toujours avec moi. C'est pas... Donc il y a une forme de. Par rapport d'ailleurs à certains. Parfois par rapport aux animaux domestiques, il y a une pathologie, il y a des gens qui sont très excessifs dans leur attachement ou tout au moins dans leur relation avec l'animal. Bonjour. On doit avoir une relation équilibrée. C'est-à-dire que l'animal, il doit être considéré aussi comme un animal, pas comme un humain. Et autant c'est légitime d'avoir une relation parfois forte, c'est ce qui s'est passé avec mon chat, mais en même temps, il faut qu'il garde sa place d'animal. Il faut respecter aussi, il n'est pas obligé d'épouser totalement la psychologie humaine, l'animal. Il a sa propre psychologie, sa propre vie. C'est donc un équilibre à trouver, et je trouve qu'il y a des personnes qui ont un rapport avec la cause animale ou avec les animaux qui est excessivement, comment dire, dans le pathos. Il y a des gens presque violents par rapport à comment dire, à la manière dont l'animal est. Il voudrait que certains, quasiment, ont un soin avec les animaux comme avec des enfants. Ils dépensent des centaines d'euros en veto, en nourriture et tout ça. Il y a un excès. L'animal, c'est l'animal. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les animaux, mais il faut les laisser aussi à leur place. Il ne faut pas, je crois, il faut pas projeter dans l'animal ou compenser notre manque d'affection qu'on n'a pas eu dans la vie avec des humains. Et je trouve que parfois il y a un peu de ça. Donc ça prend des allures ça prend des allures un peu comment dire, un peu pathologiques. Et j'en vois qui sont à la limite, quoi. Faut faire gaffe, quoi. Faut que les choses soient à leur place aussi. Sinon, ça va pas. C'est comme les gens qui ont des chiens qui viennent à table, qui se comportent très mal parce qu'ils ont été éduqués et ils ont été introduits dans la famille comme des personnes, et on les laisse venir à votre table, et évidemment qu'ils se comportent mal parce qu'on leur a donné de mauvaises habitudes. Donc c'est très important d'avoir aussi la notion de la place de chaque chose, de chaque personne, de chaque animal, des animaux et tout. Il y a un déséquilibre affectif aujourd'hui chez beaucoup de personnes, et ils ont une forme de. Ils compensent en fait, ils compensent leur ce manque affectif en projetant dans l'animal toute leur manque affectif, et ça fait parfois des gens très perturbés et un peu déséquilibré à ce point de vue. Donc on reste équilibré concernant l'animal, c'est bien, on s'occupe des animaux, on est gentil avec eux, il n'y a pas de souci, mais on ne tombe pas dans un délire, hein, parce que j'ai vu qu'il y en a qui sont un peu dans le délire des fois. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va revenir aux choses sérieuses, puisqu'il s'agit des va-t-en-guerre qu'on commence à voir s'exprimer sur les médias. Hein, c'est parti. On commence à avoir les relais médiatiques, comme je vous avais dit, qui vont dire, bah, ça y est, il faut y aller. Ça y est, ce matin sur CNews, il y en a un qui s'appelle un député ou un sénateur qui s'appelle Villani, je crois, à vérifier. Je vais vérifier le nom parce que de mémoire, je n'ai pas bien retenu son nom. Mais oui, il faut y aller. Le type, il a 70 ans, c'est le boomer, vous savez. Le type qui va envoyer ses enfants, le même qui a envoyé ses petits-enfants, ses enfants se faire pic-pic pour soi-disant se protéger, et qui était masqué de la tête aux pieds.
Et puis là, c'est la génération qui vraiment, on va les voir défiler pour envoyer leurs petits-enfants à la guerre. Ils trouvent ça très bien. Eux, ils ont passé la vie sans problème, mais que c'est normal d'aller à la guerre quand eux ne risquent plus d'y aller. Je sens cet égoïsme de cette génération poindre et je trouve ça absolument vraiment répugnant, voilà, tout simplement répugnant. Je trouve répugnant qu'un type de mon âge, de 70 ou de 80 ans, qui dit « bah oui, faut une guerre, faut aller en guerre ouais, », parce que lui, il risque plus rien. Hein, tout ce qu'il risque, c'est de finir dans un EHPAD. Mais par contre, il ne se met pas à la place des jeunes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, qui vont aller, eux, se faire zigouiller pour qui ? Pour Zelensky, le type qui a des milliards, qui a détourné des milliards. La mère, je crois qu'elle a une maison, sa mère de Zelensky, elle a une maison qui vaut plusieurs centaines de millions en Espagne. J'ai vu ça passer. Lui, il a des baraques en Miami. Et vous allez avoir des Français qui vont mourir pour un clown qui jouait avec sa bite au piano. Vous imaginez mourir pour Hanouna ? Vous voyez la farce ? Et sans rire, vous avez une tripotée de vieux cons qui viennent dire « Ah oui, il faut y aller à la guerre, il faut y aller à la guerre. Hein. Ah oui, il a raison Macron. » Non mais vous rendez compte un peu ? Vous rendez compte un peu la mentalité de ces gens ? Ben moi, je suis prêt à les envoyer tout de suite au front. Tous ceux qui sont pour la guerre, vous partez, vous vous engagez, quel que soit leur âge. Vous les envoyez au front, vous allez voir comment ils vont changer vite d'avis quand ils vont être concernés. Non, mais c'est abominable encore. On revit exactement la même chose qu'avec le pass, la crise sanitaire et tout. On revit exactement la même chose. Les mêmes égoïsmes, les mêmes moutons, les mêmes narratifs, les mêmes fausses informations, les fake news, la manipulation dans toute sa splendeur, dans toute sa bêtise également. Ah non, mais là, on va assister à quelque chose. Sauf que là, c'est pour aller au front. Hein, c'est pour aller se battre. Hein, pour l'Ukraine. L'Ukraine qui a élu un clown. Non, mais franchement. Alors là, ça va chauffer. Et donc, on a vu passer ça. Alors, je ne sais pas si... Alors, ce matin, on avait Christine Autain et les filles. Ah bah elle est pour qu'on envoie les 30, elle est pour qu'on envoie les 3 milliards là-bas. C'est, vous voyez, même la gauche, les 3 milliards qui vont être détournés pour finir je ne sais où d'ailleurs, dans les mafias, parce que c'est la mafia qui prend le pouvoir en réalité, qui va prendre le pouvoir, qui va prendre l'argent. Tout ça au prix de sacrifices que vont faire les Français, tous ceux qui bossent, hein, j'entends. Pas ceux qui sont assistés, parce qu'ils ne font pas de sacrifices, ceux qui sont assistés. Uniquement ceux qui bossent pour rien maintenant. Qui finissent par bosser pour payer pour toute cette catégorie de population. D'une part qui est assistée, et d'autre part qui vit sur le crochet de la société. Voilà. Donc franchement, on est dans une drôle de pitrerie. Et ça, c'est très regrettable. C'est très regrettable et c'est très agaçant. Alors vous avez en face des listes, vous allez voter. Il y a 10 000 listes qui vont se présenter de souverainistes. Ils ne sont pas capables de faire une liste commune pour s'entendre. Ça aussi c'est très décevant. Alors dernièrement, c'était amusant parce que j'ai réuni quelques personnes qui sont évidemment proches de mes idées et donc... qui adhère à ma chaîne, à l'esprit de ma chaîne, qui est plus un esprit qu'autre chose. Ah ben chacun a son candidat. Bon, il y en a un, il m'a dit, moi je vais voter plutôt pour Asselineau. Il y en a un autre, je crois que ce sera plutôt Philippot. Il y en a un autre, ce sera plutôt, je ne sais plus qui, Marion, je crois. Et puis un autre... enfin, chacun à chacun son... Lalanne aussi, c'est un jeune qui va voter aussi, Lalanne. Et parce qu'il y a eu Lalanne et Dieudonné qui rentrent dans la course
Alors, bref, chacun son candidat. C'est-à-dire qu'en réalité, du Pont-Aignan peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs candidats qui se présentent et plusieurs listes qui vont se présenter. Une partie sont souverainistes, mais ils sont incapables de faire une liste commune. C'est-à-dire que là, vous pourriez dire, il y a une menace de guerre, on est tous contre la guerre, donc on fait une liste commune pour avoir la majorité au Parlement, au moins, pour essayer d'avoir... mon chapeau, il n'y a pas de problème. Pour avoir une force. L'union fait la force. Vous voyez, il ne tient pas. Moi, je m'en doutais. Ça n'allait pas tenir. Donc, voilà. C'est un peu regrettable. Ce chapeau parce qu'il ne tient pas, ça va pas tenir. Bon, on va faire demi-tour. Si j'ai le temps, je vais vous passer des extraits de. C'est assez répugnant. Vous voyez là, il faut bien les voir ceux qui poussent à la guerre, voir leur. Déjà quel âge ils ont. S'ils sont à un âge d'aller au front ou pas. Et puis, ça va être comme pour le Covid, quoi. Il faut les repérer, ceux-là. Parce que c'est eux qui nous mènent à la catastrophe. Ces influenceurs, ces gens qui prennent la parole comme une notoriété. C'est terrible. Ah, tu vois. Il fait froid aujourd'hui. Abonnés, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, mais beaucoup de personnes qui aiment la musique. Voilà. Il pourrait bien pleuvoir. Bon, on va faire demi-tour. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, on va essayer de surmonter toutes les épreuves qui vont advenir. Par notre solidarité, c'est-à-dire qu'on dites-vous que vous n'êtes pas seul. Que ce combat, on le mène à plusieurs. C'est un combat intérieur avant tout. C'est un combat intérieur et vous n'êtes pas seul. Même si autour de vous, les gens sont dans le déni, si vous avez des collègues ou de la famille qui vous rigolent. Ils rigolent parce que vous évoquez ce risque de guerre et de conflit. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. On est tous confrontés au déni autour de nous, à des gens qui sont ignorants, qui comprennent rien, qui ne voient rien venir. C'est exactement la même chose que le Covid. Dites-vous que c'est la même chose. On va vivre les mêmes ingrédients, les mêmes circonstances, les mêmes schémas. Il y aura une minorité qui comprendra, comme toujours, mais une minorité qui n'est pas seule et isolée. Vous êtes plusieurs à penser comme ça. Vous êtes plusieurs et on est plusieurs à penser de cette manière-là. C'est pas comme si on adhérait à une idéologie, mais... Oh là, c'est bien trouble là. Ah bah oui, parce que il y a eu la bruine sur la caméra. Oui, c'est humide, c'est froid, c'est pas agréable le temps aujourd'hui, c'est hyper désagréable.
On n'est pas sorti. Hein. En tout cas, non, vous n'êtes pas seul. Il faut tenir bon, comme toujours. Tenir bon, garder son équilibre et pas perdre, pas péter un câble. Quoi. Parce que ça peut être éprouvant au bout d'un moment. Ça peut être un peu éprouvant de vivre dans cette angoisse permanente. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se dit à bientôt. This is the measure.